Et bonsoir les tankistes. Et bonsoir les passionnés d'histoire. Et oui, parce que nous sommes avant tout un groupe de passionnés d'histoire, il faut bien le souligner. C'est ça, tout à fait. Alors, on vous accueille ce soir pour notre première vidéo de présentation. Donc, on va vous présenter quelques petits chars sur World of Tanks. Et de manière historique, donc avec mon collègue Thibaut C ici présent. Tout à fait. Et puis couper avec 2-3 petites parties en FFA pour présenter un peu aussi la façon dont World of Tanks l'a intégré dans les batailles on va dire historiques pour notre côté et aléatoires pour le côté fun et un peu freestyle des choses. Ouais, des batailles de WoT en arcade. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes tous les deux en Firefly pour la bonne raison qu'on va vous présenter aujourd'hui le Firefly, qui est un char que je trouve personnellement dont on ne parle pas assez. Je sais pas ce que tu en penses. Après, c'est vrai que pour le côté World of Tanks, hein, pour le côté game, arrivé depuis pas non plus très très longtemps. Donc sur le jeu, donc voilà, le temps que les joueurs déjà le prennent en main et l'apprécient. Après, si on prend le côté plutôt historique, effectivement c'est un char qui est éclipsé par, on va dire, le Sherman en général. On va dire qu'il est étouffé par le Sherman, et bien sûr on va dire que les amateurs de chars vont tout de suite plutôt apprécier les chars allemands de par leur puissance. Oui, et c'est vrai que c'est... ils sont quand même pas mal connus, hein. Fameux tigre. Voilà, tigre, panthère, voilà, leur renommée n'est plus à démontrer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le Sherman, donc Firefly britannique, a été quand même l'un des chars alliés en restant côté front ouest, à pouvoir rivaliser quand même avec les panthères et les tigres allemands. Alors, on va partir sur une carte. Quelle est cette carte? Alors, donc, cette carte, donc Overlord. Donc on fait dans la nouveauté, nous, hein. Donc une carte qui est pareil, arrivée il n'y a pas très très longtemps sur le jeu. Donc je veux dire, le nom est sans équivoque, on comprend sur quel front on est et sur quel terrain on va pouvoir progresser. Donc une carte, on va dire qu'ils sont bien inspirés de la côte normande, donc avec un côté plage, des falaises, alors peut-être des falaises un peu trop abruptes qui, on va dire, illustre pas vraiment ce qu'il y avait en généralité au niveau des plages, ce qu'ont pu rencontrer les alliés lors du débarquement. Et sinon, après, une partie moi que j'ai vraiment bien apprécié, une partie ouverte qui retranscrit à peu près bien le bocage normand. L'ambiance est très sympa, ouais. Ouais. Seul petit bémol, peut-être un peu trop d'abus au niveau des bunkers, voilà. Mais sinon, ça reste une carte très sympa. Allez, on est parti. On est parti. Voilà, on peut voir que l'écran de chargement est très sympa. On voit pas de SDKFZ. Hein. Alors, non, effectivement. Je précise que tout ce qu'on voit à l'écran qui n'est pas vanilla, c'est-à-dire d'origine du jeu, est dans mon super pack disponible en téléchargement dans un lien que je mettrai dans la vidéo. Alors, je propose qu'on se rejoigne près de l'église, tiens, qui est plutôt jolie. Ouais, donc plutôt de mon côté en G8. C'est parti. C'est vrai que niveau architecture, il y a quand même un travail de recherche qui a quand même été un petit peu fait au niveau de l'église, des corps de ferme, des choses comme ça. Oui, c'est plutôt bien travaillé, bien fini, hein, bien fignolé. Ouais, c'est un détail qui est à souligner, et c'est vrai qu'il est immersif et c'est important. Donc. On a des animations sympas, je sais pas si on arrivera à en attraper une, les petits C-47. C-47 qui tiraient les planeurs après le débarquement, hein. Ouais, bah, on en voit 2-3 passer. Même avant, hein, mais je crois que là, ils sont simplement. Ils transportent simplement de l'infanterie aéroportée. Et effectivement, de temps à autre, on peut les voir passer au fond de la carte. C'est vrai que c'est assez sympa. Moi, je le vois personnellement là. Alors, moi, je suis au milieu de débris et de restes encore brûlants. Bon, il se fait tirer par la flaque d'ailleurs. Hein. On a la flaque qui lui tire dessus. C'est assez sympa.
Alors j'ouvre l'œil et le bon, hein. Te voilà. Oh, quel beau chat. Ah, y a moins de prestance le mien que ton Firefly. Ah, mais. Alors, on va commencer tout simplement hein, avec la genèse du Firefly. Alors, raconte-nous un petit peu, explique-nous comment on en est arrivé à vouloir concevoir le Firefly. Alors, bah, pour faire quand même assez succinct, on arrive donc au Sherman Firefly, à cette conversion du Sherman, et ben tout simplement par la mise en service bah, des chars allemands, donc notamment du Tigre, où les Britanniques ont pu bah, déjà le rencontrer donc en Afrique du Nord. Donc en 43, il est arrivé en 43 en Afrique du Nord. Donc là, les Anglais ont déjà eu premier contact avec ce char. Donc bien sûr, on peut s'imaginer que les Grant, les Stuart et les quelques Sherman qui avaient à ce moment-là avaient très peu de chances de rivaliser. Donc on va dire que dès fin 1943, il y a déjà eu un projet donc de char. Donc qui devait bah, justement être capable de percer on va dire le monstre que pouvait être le Tigre. Et donc il y a eu un char qui a été conçu qui s'appelait le Challenger, donc A30 pour la nomenclature britannique, qui est en fait un Cromwell rallongé d'un galet avec une tourelle assez proéminente. Et on retrouve le Dissent Pounder qui sera bah, le même qui sera installé donc sur le Firefly. Alors pourquoi il y a eu ce changement en tout dernier moment? Parce qu'ils se sont rendu compte qu'en fait le châssis du Cromwell rallongé avec cette tourelle, ça donnait pas un char très efficace, très haut, un peu moins rapide que pouvait l'être le Sherman. Donc on va dire qu'ils sont rabattus bah, sur le Sherman de par bah, le nombre qui pouvait être produit parce que bien sûr les États-Unis bah, fournissaient ce char. Oui, et puis l'industrie donc, était déjà formatée aussi à la production des chars tout simplement. Bien sûr. Donc ils ont opté pour monter ce 17 Pounder, donc 17 Pounder, ce qui fait 76,2 mm, hein. C'est vrai que des fois c'est un peu abstrait les Pounder britanniques, pour le monter donc sur un châssis de Sherman, donc bien sûr avec des modifications qui ont été apportées. En fait on est un poil au-dessus du calibre de 76 mm américain qui est entré courant 44 en guerre, quoi. Voilà, exactement. On va dire qu'on peut mettre en parallèle le développement du 17 Pounder britannique avec le 76 mm donc M1 des Américains, qui a été un petit peu la réponse aussi face allemand qui. Oui, il fallait bien contrer la puissance de feu qu'il y avait en face. Hein. Il faut bien comprendre qu'avec des 80 mm, les Alliés n'avaient tout simplement pas le fer de lance nécessaire pour les contre-offensives à mener. Hein. Bien sûr. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le 17 Pounder, c'était quand même un canon qui avait fait ses preuves, hein, qui était déjà un canon qui était un canon tracté. Hein, donc, c'était un canon qui avait fait ses preuves. Donc, il savait que c'était le canon qu'il fallait installer sur un char pour pouvoir rivaliser. Quoi. Tout comme le 88 allemand pour le Tigre 1. Hein, on parle d'un char, d'un canon anti-char, pardon, qui va être porté sur tourelle. Donc, hein, on fait les châssis nécessaires pour porter les tourelles avec l'espace nécessaire à l'intégration des culasses. Et de l'équipage, hein. Effectivement. Alors, maintenant qu'on a vu un peu sur la conception et la genèse et le pourquoi, on peut s'intéresser peut-être au comment. Alors, raconte-nous un peu quels ont été les principaux engagements du Sherman Firefly en France, et puis les principaux défauts qu'ils ont pu rencontrer et les mises à jour qu'ils ont pu effectuer. Ouais. Alors, bah juste bah, pour en venir, on va dire que déjà. Aux modifications qui ont été apportées d'un Sherman classique et un Sherman Firefly pour faire rapidement, on a déjà une suppression donc de la mitrailleuse de caisse donc qui peut être vue par cette plaque de blindage qui est rajoutée en forme de un petit peu de pyramide. Donc là en fait le poste de radio donc et mitrailleur était supprimé, la radio se retrouvait donc comme on peut voir sur ton char à l'arrière donc sur cette proéminence de la tourelle, donc la radio était ici, et à la place du radio et de la mitrailleuse, on avait placé donc des râteliers de munitions supplémentaires. Donc ce qui disait qu'on avait le pilote dans le châssis et trois donc membres d'équipage qui étaient dans la tourelle. Très particulier pour un Sherman tout de même. Ouais, très particulier. Bah déjà tout de suite, bon, il avait quand même toujours la mitrailleuse coaxiale hein, pour lutter contre l'infanterie, mais c'est vrai que ça fait quand même une arme, une mitrailleuse de moins. Voilà, ouais. Bon après c'était pas un
je pense, pas un gros détail du fait que le Firefly était quand même dans des pelotons de chars avec d'autres Sherman classiques. Hein, en proportionnalité, il y avait un Firefly pour trois Sherman donc classiques. Donc on va dire qu'il avait quand même l'appui-feu des autres véhicules. D'accord. Voilà. Au Après, niveau... donc pour... Oui, je suis désolé. Pour l'engagement, c'est vrai que c'est ce que tu parlais au début. Donc pour revenir à l'engagement, donc les tout premiers Firefly qui sont mis en service, donc il y en a 200 qui sont mis en service donc pour au moment du débarquement, donc 200 qui sont prêts, il n'y en a pas 200 qui débarquent bien sûr le jour même, mais 200 qui sont prêts à être envoyés donc avec les unités blindées, donc à la fois, donc il ne faut pas oublier, hein, donc anglaise, canadienne, et après un petit peu plus tard polonaise. Donc les premiers combats sont assez rapidement parce que bah, si on reprend un fait d'armes assez connu, à Villers-Bocage, là où Wittmann notamment s'illustre en détruisant une colonne entière de la 7e Armored Division, donc les rats du désert, on a déjà des Firefly qui sont présents donc, dans cette colonne, donc des modèles 5C qui sont des modèles M4A4 pour la nomenclature américaine et donc M4, Mark 5 pour les anglais. Donc on a déjà des Firefly à ce moment-là, donc dès le 7 juin en fait. D'accord. Vraiment tout début. Hein. Exactement. Donc ils sont engagés pendant toute la campagne de Normandie qui est leur première campagne. On les retrouvera après donc tout le long, hein, donc à la fois durant l'opération donc Market Garden. On les retrouvera aussi dans les Ardennes, même si c'est vrai que les Britanniques ont un peu moins participé. Et puis après toute la campagne pour libérer donc l'Allemagne. Voilà, c'est le char, on va dire le Sherman britannique qui combattra grande majorité, on va dire qu'en plus, au fur et à mesure, bah, de plus en plus de Sherman Firefly vont être produits, il y aura un petit peu moins de Sherman classique, donc il viendra un petit peu, on peut pas dire jusqu'à la majorité des Sherman, mais quand même il représentera un grand nombre des Sherman britanniques. D'accord. Alors je propose qu'on passe en bataille. Bien sûr. Histoire bien de sûr. Voir dans what... ce que vaut le 17 Pounder, hein, le fameux. Alors, retour au garage. Qu'on peut juste préciser au niveau du Sherman, donc Firefly, comme on peut voir sur Watt, c'est que le modèle qu'on a sur Watt donc, est un Sherman donc MK, pardon. Mark 1C, donc qui est en fait un Sherman, comment dire, donc M4 ou M4A1, parce qu'on peut voir que la caisse est à la fois moulée à l'avant et soudée à l'arrière. Donc dans la nomenclature britannique, ça devient Mark 1C, qui est pas spécialement le modèle de Firefly qui avait le plus. Hein. Justement, j'en parlais un petit peu avant, on avait les MK5. Donc qui avaient eux des caisses complètement soudées, qui se différenciaient bah, de leur moteur. Ils avaient un moteur Chrysler, donc ça leur donnait un châssis à peine plus long. On peut le voir, il y avait les écarts sont un petit peu plus grands entre les petits galets de roulement du bas. C'est voilà là. D'ailleurs, c'était la conversion la plus produite du Sherman Firefly. D'accord. Bon allez. J'envoie la bataille. C'est parti. Que le matchmaking soit avec nous. Oui. On n'est pas trop mal placé. Alors, on se retrouve dans une partie top tier, des bons joueurs en face tout de même. Alors, pour l'anecdote, moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que le fait qu'on ait 76,2 mm, comme tu l'as dit, niveau britannique, et qu'on a la sortie du M1A1 76 mm américain, pour le Sherman, on est quand même portant pour des performances de balistiques qui sont largement supérieures à celles du M1 américain. Effectivement. On est sur un canon qui en fait en vient à rivaliser donc avec le fameux canon du Panther, le KVK-42 de 7,5 cm. On arrive avec la munition spéciale, donc c'est la PDS hein, pour les Britanniques qui arrive à dépasser donc les statistiques balistiques du Panther, et donc on en arrive à la capacité de percer le glacis d'un Tigre 2 quand même. Effectivement, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après le comparatif par rapport à l'armée américaine à 76 mm, c'est vrai que le
Ce qu'on peut dire entre guillemets, c'est que le 76 mm américain a été pas mal boudé par les équipages de Sherman, parce que l'obus notamment explosif était pas si performant pardon, que ça, et les équipages préféraient celui du 75. Donc on va dire voilà, il y a eu une petite impopularité du 76 que n'a pas eu justement le Firefly, parce que voilà, au niveau de la balistique était quand même assez impressionnant pour l'époque. Allez, je commence à engager le Type 58. J'ai grand peur des trois croix moelles. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, on a le. Je pense qu'il progresse assez vite de l'autre côté là. Ouais. Peut-être on va être débordé sur. Si la bataille tourne bien, il pourrait arriver sur notre flanc en ayant. Enfin, avec le temps de se réorganiser de notre côté. Et avec un pool de HP réduit, ce qui nous laisserait l'occasion et la marge de manœuvre pour les sortir de la game. Effectivement. Alors, je vais soutenir sur le Type 50. Bon, on n'est pas sur la précision du Panther non plus. Au niveau de la on pénétration... On a quand même la cadence qui y a pas... sauve quand même. Bon, ça a l'air je mal vais engagé. Déplacer pour ma part. Hein. Je vais quand même aller de l'autre côté, parce que je vois que ça... Je pense qu'on craque. J'hésite à faire une défense en les laissant en bas. Défendre de derrière la base. On a du spot, on va profiter. Alors je cherche à choper la silhouette, mais j'y arrive pas. Il y a un KV2 là-bas, faudra le. Alors moi au niveau du gameplay, le Firefly, donc du fait qu'il cherche les statistiques du Panther, je joue vraiment pareil. Hein. Engagement longue distance. J'ai même monté camouflage sur l'équipage, c'est pas anodin non plus. Alors malgré le fait qu'on ait un beau Hurricane qui vient nous soutenir, je pense que c'est très très mal parti. J'espère que le KV2 ne nous a pas vu. Ouais, il progresse quand même, il progresse. Je vais réorganiser si tu veux me suivre. Ouais. Effectivement. L'autre côté, ça a complètement craqué. Ouais, ouais, ouais. Il y avait les Cromwell, le L4, un Firefly également. Donc c'est vrai qu'ils ont eu quand même un. Ouais, il y a du lourd de l'autre côté. Ça passe aussi. Bon, là, on peut quand même dire que la bataille est assez. La balance est. Très 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 déstabilisé. Je pense, ouais, je pense. On aurait voulu faire une belle bataille pour la vidéo, mais. Mais bon, c'est les aléas du. Bon, j'engage devant le LC, tant pis, il faut bien défendre. Ouais, ouais, moi je reste. Tu peux reculer, peut-être te couvrir des bâtiments qui, bon, qui sont malheureusement destructibles. Je peux être sur le LC AMX également pour ma part. Tout gêne. Alors, une nouvelle charge à peu. Je pense que je percerai pas, même si j'ai un 17 pounder, en plus on a dans les faits. J'ai le LC qui monte, hein, c'est. Je peux pas dire le contraire. Ouais, deux LC ça va pas se gérer. Plus un. Je ne sais quel canon à barrer dans les fesses. C'était le look, ça, je pense. Ouais. Bon bah on peut dire un véritable écrasement là. Un beau 15-3. On va tenter notre chance. Matchmaking un petit peu différent. On était mieux placé tout à l'heure. Un au top, on a deux IS, mais le RAM 445 est un. Enfin, un des meilleurs. Bon, ça ne fait pas tout, bien évidemment, mais ça. Un E25 aussi à signaler dans leur équipe, qui est quand même un char qui peut vite faire la différence. Ouais. Alors, je sais pas trop où est-ce que tu souhaites t'engager sur cette partie.
Alors c'est vrai que là c'est assez difficile parce que bah déjà le couloir 1-2 moi j'évite à tout prix parce que déjà on est des médiums donc on peut essayer le milieu pour... Milieu, j'ai la crainte de vite me retrouver bloqué, tu sais, acculé à un endroit où on est flanqué ou alors... Ouais peut-être oui. Je ferais bien du carry push, moi, avec les canons qu'on a, on peut bien montrer ce que ça donne. À condition que notre T29 aille évidemment au contournement. Un peu de bouchon sur le périph. On n'a aucun scout qui est parti. Ouais, effectivement. Et Le on a personne T20. ligne 1-2. Le T20 aurait pu, ouais. Bon, à la limite, la défense de base se fait plutôt bien des corniches, hein, mais. On a un Oni, je crois que... Ouais. Non, c'est bon, il vient de servir. Je te laisse juste me indiquer où tu voulais te positionner. Je vais virer à gauche. C'est vrai qu'il y a aussi un push qui peut être assez fort aussi c'est de ce côté-là. Au niveau du long de la côte. On va le jouer en parasite, là, le Firefly, on verra si ça marche bien. Tout à fait, faut faire attention au phare, parce que souvent, bon, ils n'ont pas d'après ce que je vois de charme, mais quoique le 25 peut aussi jouer le rôle De scout, oui. de Très poli. scout et grimper là-haut pour un petit peu embêter. Voilà, bah, c'est ce que je disais, du coup, ils se retrouvent là-haut. Bon, Ils se on a retrouvent quatre lourds là-haut. qui... Ouais, là, effectivement, on a les IS et le On a KV-85. déjà un team kill de leur côté. Un tir 6 lourd et le M4 qui est passé au beetle. Je pense qu'ils vont perdre le contournement. Ouais, effectivement. Sauf si leur IS apparaît dans les 5 prochaines minutes. Je vois pas comment ils pourraient supporter nos lourds. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit chemin d'accès différent. Sur la... Ouais. Je vais l'emprunter. Là, la ligne 1-2 s'est faite quand même pas mal déborder. Je vais revenir un petit peu en défense de base, moi, parce que je vois que vous êtes quand même beaucoup de votre Ok. côté. Bon, le On a quand M4 même a vite l'avantage. compris qu'avec tous les lourds qu'il y avait de notre côté, avec le spot de l'ARL, il avait tout intérêt à venir soutenir ici. Enfin, c'est même plus du soutien, hein, c'est simplement du coup. Je vais pousser avec notre T29, moi. Ok. On a quand même l'avantage. Et on a le Ah, 25 qui moi, commence. j'ai un tigre qui me prend un parti. Je l'avais pas spoté juste avant. Ouais, c'est vraiment de la saloperie le 25. Malheureusement, il est très bien placé. Et on a l'avantage quand même d'avoir un châssis qui permet de se déplacer assez rapidement. Et bon, moteur quand même intéressant. Quand il est full, bien sûr. Je ne supporte pas. Ah, j'ai pas de visuel du 25, à la silhouette vraiment très basse, là c'est vraiment un char qui est. Ça me dérange pas. En fait, ce que je trouve vraiment aberrant, c'est qu'il a le canon du Panther et qu'il recharge en 2 secondes. Sans parler de la taille du châssis, qui laisse aucune place déjà de 1 pour une culasse pareille. De 2, l'équipage. Faut déjà se dire que le Stug avec le L48 c'était déjà limite, alors avec un canon pareil. Effectivement, ouais. Ça donne quelque chose qui est assez. Ah ben. Assez violent. Bon, je vais le temporiser tant que je peux. Bon, je fais un duel contre un tigre, donc on. 4-4 s'est tendu. Nous, le push, il a complètement frigorifié. Et j'arrive même pas à perdre. Ce qui est quand même tout bonnement un. Bon, j'ai détruit la nef. Il est le light. C'est bon. Le 25 est éliminé, ça fait déjà. Alors là, c'est une sacrée épine du pied qu'on se tire. C'est sûr. On a le Oni qui rentre en jeu. Nouveau char japonais. Et on arrive en situation. Où je flanque.
Voilà. Je me fais quand même avoir par le T150. On devrait craquer sur le... Le push devrait pouvoir percer là. Moi j'avais un tigre en face, je... Ah bah oui, voilà. Bon, j'ai fait l'erreur de me replacer dans lui. Oui, c'est bon. On a un ISA 972 HP, un autre A500 escape. Le ONI, je me trompe pas, il est full. Et le T29 qui devrait sortir le M4. Ouais, mais le tigre va leur arriver derrière. Moi je suis quand même en situation critique, je me suis retrouvé, ce tigre m'a bloqué, je pensais pouvoir progresser un petit peu au milieu. One shot du T29 sur le Shtug, plutôt violent. Voilà, on a bien vu que le 25 a vraiment cristallisé le push, hein, donc là il faut... Donc tu as réussi à rester en vie. Ah oui, tu tiens avec deux morceaux de scotch. C'est à peu près ça, mais on a... À ta place je me cacherai derrière le rocher, j'attendrai... quand même qu'il y a du renfort qui vienne, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres moyens de... Ah, je suis pas sûr qu'ils viennent en fait jusqu'à... Peut-être qu'ils vont backer, ça peut... on peut avoir les deux cas de figure. Essaye de te mettre en position pour spotter la montée du Tigre 1 qui n'est pas sur de ses commandes. On a Léonie qui va essayer de s'en charger, je présume. On a Lias qui l'attend aussi. Léonie qui demande de l'aide. Enfin, je vois que t'es en spot avec le VQ. Ouais, mais j'ai... Enfin, la distance de... Mon spot est pas non plus exceptionnel. J'ai pas mal de d'arbres devant. Et non, à mon avis, il y a que le VK qui... Voilà, la débandade. Ouais, j'aurais pas de spot sur le cap, malheureusement. Bon, le tigre va être sorti, je pense. Lias arrive en base. Le T29 a attendu d'arriver devant la base pour se dire qu'il va falloir faire demi-tour. Voilà, le tigre est sorti. La T2 est backée sur le T29. Et tu es en proie avec le VK. Ouais, je viens de le toucher juste à sa montée là. Le tigre est sorti. Ouais, j'ai un reset de base. La T2 est en duel avec le T29. Il cap du coup. C'est le KV qui est redescendu en défense de base, je pense. Le T29 fait un tout petit size. S'il perd, s'il le détruit. Hein. Il vise le périscope, mais il ne touche pas. Je sais pas où est le KV85, je sais pas si t'as eu un... Je pense qu'il a backé, si t'as dit qu'on a été reset, ça doit être le KV85. Voilà. Ok, bon, yes. Moi j'ai réussi à placer un tir sur le KV, mais maintenant... Sur le VK, pardon. Maintenant, il faut que je reste planqué. Le ONI arrive péniblement. Le T29, idem. Ah oui, le KV85, effectivement. Voilà. Retour de... Retour... Ouais, il était fou là. Je sais pas si Lias tiendra la route. Non. Mais non, malheureusement. Attends le dernier moment, hein. Prends vraiment pas de risque. J'attends que le ONI revienne. Spot, je veux te dire quand tu peux spot pour le T29 si t'arrives à voir quelque chose. C'est bon, tu peux sortir de ton rocher. Prudent, bien sûr. Voilà, c'est bon. Laisse le T29. Il le voit. Ouais, je pense. Ouais. Prochain tir. C'est bon. Ouais. Et voilà, ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller cueillir le KV. Le T29 devrait backer par les colis. Tu penses que... Ouais, je sais pas si c'est placé en défense de base, le KV. Non. Parce qu'il est revenu... Il y a peut-être même moyen qu'il se cache dans un carré de la carte. Oui. Non, c'est bon, il a voulu jouer le tout pour le tout. Il a loupé son tir, ce qui n'a pas été le cas du... Je crois qu'il tire à la HE, le T29. Ouais, c'est pas un si mauvais joueur que ça. Hein. À mon avis, il était sur la décap et il a gardé sa HE. Par contre, il va vite se faire battre en manœuvrabilité. Il a quand même plus de HP. Voilà, il a pris le tir du 122 et tu rentres en jeu. Avance un petit peu, hein. On va le cueillir. Parce qu'une fois qu'il aura sorti le T29, tu n'auras plus de diversion donc. Il te regarde pas, tu peux y aller. Bon. Cache-toi en bas de la colline, je pense.
Je les tue. Voilà. Bien vu. Attends, Léon y arrive. Il a le poulet et le blindage, hein. Laisse-le faire le gros morceau de jambon. Hein. C'est bon, tu peux y aller une fois qu'il a... Ouais. Tu devrais pouvoir l'avoir. Vas-y, te regarde pas. Je vois pas. Hein. Non, tu peux peut-être avoir son périscope une fois sur deux. Ah, il va peut-être sortir l'autre côté à gauche. Je serais resté à focus, moi. Tu peux peut-être avoir sa fin de châssis, là. Ah, c'est bon, il a eu. Avec le canon du Oni, il y a quand même... Sacré défédération. De frappe qui est assez impressionnante. Bon, et ben voilà, quand même, une deuxième partie. Bon, quand même serrée, mais... On est allé la chercher, quand même, il faut dire. Mais on est allé la chercher, effectivement. Pas si mal classé non plus. On aurait pu faire mieux, mais on aurait pu faire... Bon, voilà, je pense que ça illustre bien. Bon, malheureusement, la carte était peut-être pas notre avantage pour en tant que médium, mais... Voilà, on n'a pas tiré un plein potentiel du canon, mais on voit bien que on a quand même une aisance de pénétration, qu'importe le char. Hein. Sur les lourds ou quoi, un flanc de tourelle ou de flanc, on sait que ça passe, de front, on hésite vraiment pas beaucoup, quoi. Effectivement, ouais. Donc, écoutez, on va se laisser ici. On se dit à la prochaine du coup et on verra bien sur quel char se portera la prochaine présentation. Tout à fait. En tout cas, merci. Merci à tous. Ouais. Pour ceux qui regarderont et en espérant que ça vous plaise. Allez, à bientôt. Salut, salut. Bonne soirée. Au revoir.